Alors bonjour. Salut Jean-Luc. Bonjour. Nous voici de retour, comme on dirait, pour vous jouer un mauvais tour. Ouais. Et en tenue, en plus de ça, aujourd'hui. Voilà, en tenue. Vraiment. Voilà. Hawaïenne. Bon, le temps n'y est pas, mais ça va. C'est un peu couvert aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tu te ramènes avec une. Alors, un jouet Brabus. Un jouet. Alors c'est une Blue Wave. C'est pas une Brabus. Alors, je l'ai acheté, enfin, j'ai fait l'acquisition de cette voiture. Je me suis fait avoir avec le look. Et en fin de compte, c'est pas du tout l'ancien propriétaire qui l'a monté Brabus. C'est véritablement une Smart Roadster type 452 qui était équipée Brabus d'usine. Donc, c'est-à-dire qu'elle a tout l'intérieur, tout est Brabus, les roues, tout est fait, en plus de ce que le client a fait après, au niveau des suspensions, au niveau du freinage, au niveau des cales d'élargissement, tout est homologué sur cette voiture. C'est juste incroyable, il y a deux pages de carte grise. Et en fin de compte, la Blue Wave était une idée de Smart, de faire une petite série spéciale avant Brabus, qu'ils en fassent une sortie officielle. Ils ont pris 500 Smart Roadster, dont 350 comme celle-là, donc avec l'arrière plat, et 150 avec l'arrière qui était avec le mini-haillon, ce qu'on appelait le coupé Roadster. Et puis, ils ont monté tous les appendices aérodynamiques, même les bas de caisse, etc., échappement Brabus, il y a tout, sauf qu'elle a 82 chevaux au lieu de 101, comme les Brabus qui sont sortis juste après. La différence, c'est juste l'intercouleur, au lieu d'être RR, il est OR chez Brabus. Voilà. Et puis celle-là, ben, je pense que l'ancien propriétaire était un petit peu à la ramasse avec 82 chevaux contre 101. Et il a fait une reprogrammation chez Sportec. Et puis il a réussi à grappiller un petit peu plus de puissance que chez Brabus, qui est estimé entre 105 et 108 chevaux. Donc pour une voiture qui fait 800 kg. Donc on ne va pas présenter la voiture en elle-même. Tout le monde la connaît, sortie en 2003, boudée parce que trop cher. Ça va aller plus de 30 000 francs, une auto comme ça, à l'époque, donc c'était cher. Et je me souviens même que chez Mercedes, si on achetait une classe E, ils offraient une Smart Roadster avec. Donc ils la donnaient avec. Donc la voiture, pendant maintenant, ben, ça fait celle-là, en l'occurrence, elle a 18 ans. Pendant 14 ans, la voiture, elle est restée comme seconde voiture chez les gens. Et il s'est passé un petit phénomène en 2018. Il y a un ancien élève Sbarro, qui s'appelle Philippe Chalot, qui a repris une entreprise de composites à Dampierre-les-Bois, juste après d'elle. Et dans le stock de l'entreprise, il y avait tous des pièces d'Alpine A110. Et il s'amusait à faire une smarlinette. C'est-à-dire tout d'une Smart, mais la gueule d'une berlinette A110. Vous pouvez voir sur Internet, mettez smarlinette et vous tombez. Maintenant, il a vendu le concept au Garage du Tertre, qui font un travail exceptionnel. Et ils ont repris le concept donc de la face avant, l'arrière, la transformation. Ils proposent tout un programme, mais qui n'est pas diffusé en Suisse. La première Roadster dont j'ai fait l'acquisition est partie chez Smarlinette. On l'a complètement transformée. C'était la 003. Actuellement, elle est dans le département de l'Ain en France. Et parce que impossible de l'homologuer pour la Suisse, ni même en passant par le DTC. C'est pas un problème de matériaux, parce qu'on change de l'ABS, qu'on a de la fibre de verre. Il y a plein de pièces qui sont fibre de verre actuellement. Il suffit juste de payer pour que ce soit pas dangereux. On passe au DTC, etc. Mais là, c'était une question d'identité de la voiture. Donc, bon, discussion service automobile, l'off-road, etc. Ils n'en veulent pas. Tu sais comme moi, on a été les deux, on a importé les deux des voitures un petit peu exotiques dans notre vie. Parfois, j'ai remarqué aussi une chose, c'est j'ai eu à porter des voitures en Suisse qui n'étaient pas homologables sur le canton de Vaud. Et puis, tu allais sur le canton de Neuchâtel,
la voiture passe expertise. Et c'est vraiment... L'application des lois n'est voilà, pas les mêmes. En Suisse, on a chaque canton a ses propres petites lois, mais c'est pas que pour l'automobile, c'est pour d'autres choses aussi. C'est des embûches. C'est des embûches administratives plus que sécurité. Ouais, exactement. Surtout voilà, que la sécurité. Voilà, parce que la sécurité passive et active de la voiture n'était pas touchée. Voilà. Et en plus de ça, donc ils n'auraient jamais fait quelque chose qui mettait en danger les gens. Et donc celle-ci, donc elle a aussi, donc elle a les tiges filetées, donc elle est bien équipée, celle-là. En tout cas, Jean-Luc, je te remercie pour cette. Petite explication, voilà. Et puis ben, on va peut-être se revoir pour d'autres véhicules parce que t'as toujours des petites surprises en général. Ouais, elles se font un peu plus rares maintenant à cause du marché de l'occasion. Oui. Le marché de l'occasion est complètement faussé maintenant avec les événements. Les occasions sont en train de monter en puissance. Les neuves n'arrivent pas à se faire livrer, donc on a vraiment un gros problème. Alors il reste heureusement des petites voitures passionnelles comme ça, enfin passionnantes et passionnelles, mais elles se font de plus en plus rares maintenant, parce que les gens justement, soit ils font du van life, donc maintenant c'est les bus VV, c'est tous ces Renault Trafic qui sont pris d'assaut, ou alors les petites voitures plaisir comme celle-ci, les Mazda MX-5, toutes ces voitures qui sont arrangées dans la même catégorie, maintenant il y a la Fiat Barchetta qui est en train de monter, elle commence à monter en côte, et puis malgré que là, alors, la démarche de Fiat n'était pas du tout de faire un roadster, mais de prendre la base la Punto GT avec le moteur 1830 et un chevaux et en traction. Donc et le paradoxe de ces voitures, c'est ce qu'on appelle justement des top flops, c'est-à-dire ces voitures qui sont assez mal vendues à l'époque, c'était des mal aimés à l'époque. Ouais. Puis aujourd'hui, le paradoxe, c'est des voitures qui sont rares, et maintenant, donc qui deviennent exactement. Puis, rares, qui deviennent demandées. On en discutera, mais il y a les couleurs encore qui rentrent en ligne de compte. Exactement. Une rouge à moins de cote qu'une jaune ou qu'une verte foncée avec l'intérieur beige. Il y a des comme pour la Mazda MX-5, il y avait les couleurs de base, celles qui ont pris une valeur normale, puis après il y a celles qui explosent. Voilà, mais donc la Barchetta en fait partie. Et puis il y a plein d'autres voitures maintenant, de ces petites voitures passion qui sont sympas et puis qui sont à des prix abordables. On n'est pas au prix d'une Porsche ou comme ça et qui donnent beaucoup de plaisir. On vous invite à liker cette vidéo, de faire des petits commentaires, de nous amener vos informations si vous avez des choses à nous raconter aussi sur cette voiture, des anecdotes. Voilà, et peut-être même des petites préparations sympas. Petites préparations. C'est des voitures passion et il y a tout le monde qui a son interprétation de sa passion. Et puis ce serait joli d'avoir des commentaires un petit peu, dire ben voilà, on a fait une comme ça, on a fait une comme ça. Ça pourrait être sympa. Voilà. Ouais. Et puis ben, pendant qu'on est là, parce qu'on est en Suisse et puis c'est quand même typique, ben, je vais vous montrer l'autocar postal suisse qui est typique de notre pays. Les cars postaux suisses qui font partie du paysage suisse.